Aujourd'hui, nous allons au sport d'hiver entre amis. Alors, comme moi, c'est l'heure d'aller à la neige. C'est net avec les préparatifs. Donc d'abord, les enfants se chamaillent, se chatouillent, donc le rire des chatouilles, comme moi. Les chaînes, on cherche les gros blousons de ski, les après-ski, les machins. Alors, donc, bah, forcément, le ton monte et, comme moi, le rire de la dispute. Ah, heureusement, on se dispute jamais longtemps et on se réconcilie toujours très très vite. Alors comme moi. Et puis après, vous savez toujours quand ça va mieux, et ben comme par magie, on retrouve les chaînes, on retrouve les manteaux et on peut même enfiler les après-ski. Alors bah du coup, comme moi, on est content. Et ben on va pouvoir charger la voiture et du coup le rire du bazar dans la voiture, dans le coffre. On va dire, déjà, je vais enlever les mains. Voilà. Alors, du coup, on continue les préparatifs. Bah, va falloir qu'on sorte mettre les chaînes, évidemment. Mais le rire des glissades, parce qu'on est en petits souliers, puis ça patine. De... Ah
et on termine par le rire de l'appréciation parce qu'on a réussi à mettre les chaînes et on est trop fiers de nous. Dans la neige avec les après-ski, les gros sacs, les skis, du coup on marche comme ça. Et on est content parce qu'on est enfin arrivé. On découvre le chalet comme des enfants. On est trop contents de trouver le chalet qui est magnifique et qui nous plaît. Oh.
C'est délicat, le. Non, c'est pas le micro qui déconne. Alors, ensuite. Ah bah oui, on part skier, ça y est, enfin, c'est parti. Enfin bon, nous, on n'aime pas trop. On fait comme si, quoi. Donc, on part skier, donc on va enfiler la combinaison de ski. OK? On prend la, celle qui traîne, là. Hop, on l'enfile, c'est parti. Allez. On s'est donc trompé, on a pris celle du petit frère ou de la petite sœur. Ça marche pas plus. Ça marche pas. Bon, on va peut-être en prendre une autre. Hein. Allez, on y va. Mieux celle-là. Mais c'est pas la couleur qui nous sied le plus au teint. Alors on va prendre l'autre. Allez, on y va. Celle-là, elle est magnifique. Magnifique, les filles, ouais. Et puis bien sûr, il faut mettre les chaussures de ski, mais vous savez, comme à chaque fois, alors d'abord on les enfile, mais après c'est trop serré. On y va. Bon, maintenant qu'on a les chaussures, bah, on va enfiler les skis, hein, forcément. Allez, on y va. Et on prend le bâton de ski numéro 1. Et puis on va entrer dans le téléphérique. Et là, on va être tous entassés les uns contre les autres. Et le téléphérique il démarre. Et d'un coup il freine. Et puis il redémarre. Et puis il y a du vent. Et le coup, il refreine. On est arrivé. Voilà votre défi. Parce que maintenant qu'on est arrivé en haut de la montagne, il faut qu'on prenne soin de nous. Et on va donc se mettre de la crème solaire, parce que sinon on va prendre des coups de soleil. Donc, comme la crème de rire, je vous donne de la crème de solaire, une crème de soleil. Je vais réussir à dire le mot. Crème solaire de soleil. T'as loupé le bug, Anne. Merde. En fait, je voulais dire la crème solaire ou la crème de soleil, et en fait, j'ai dit la crème de solaire. Il peut mélanger les mots. Le rire dit, j'ai pas pourtant, j'ai pas encore bu. Pas besoin. Bon, alors du coup, la crème solaire, tac, 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 voilà. Et puis maintenant qu'on l'a dans nos mains, eh ben, on l'étale. Et plus on l'étale, plus on brille. Sur la combinaison, bien sûr. La combinaison, c'est bien. Mais c'est pas logique, hein, mais c'est pas grave. Allez, mais la vie, vous voulez pas le dire?
mange souvent. Et les pommettes aussi, les punchers aussi. Et le cou. On l'a nuque, on l'a fait jamais. On l'a nuque aussi. Vas-y, c'est important. Oui, parce que là, on n'a pas l'écharpe, là, du coup, on peut le faire. Parce que sinon, on peut pas. Et puis du coup, on va enfiler les lunettes de rire. On y va? Moi, attention. Trois tailles différentes. Le petit bonnet de rire. On va essayer le moyen bonnet de rire maintenant. Et on va essayer le grand bonnet de rire. Oui, après,
passe au ski, mais avant, je barre un coup parce que j'en peux plus. Alors, pour le rire du ski, il faudra faire quoi? Ah oui, c'est un rire en trois temps. Alors, le « et », on plie les jambes en poussant sur les bâtons en arrière. Ensuite, le « o », on part trop vite dans la pente et on est en déséquilibre. Et « a », on tombe en se bousculant et en s'accrochant aux voisines. Et vous imaginez la scène des bronzés, là, où quand ils projettent, ils font « bloum, 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 bloum ». Ok, on y va? Alors, je vais redescendre un peu. Donc, du coup, et on plie les jambes et on plante du bâton. Voilà, et ensuite le haut, on part trop vite dans la descente. Oh, on est déséquilibré. On a le début, c'est bon, on va le refaire deux fois, on y va? Allez, on plie les jambes. Et attention, prends de la vitesse. Et comme on le tient super bien, on y retourne une dernière fois parce que maintenant c'est la piste noire, direct. Alors on est folle. On y va. Allez, on plie les jambes. Travaillez les adducteurs. Plantez du bâton. Et attention, prends de la vitesse. Déséquilibre. Alors, rire des photographies. On arrive au sommet de la montagne, hein, bien sûr. De nous aussi, mais de la montagne. Et du coup, on respire. Alors, le respire rire. Et puis on se prend en photo parce que c'est trop joli le paysage. Et du coup, on est même content parce que avec les skis au pied, on peut même se prendre en photo avec le paysage. Oui, malgré les chutes, on est arrivé au bout. Et attendez, je fais une photo de lui. Et puis du coup, ah oui, prendre une photo de groupe, alors pourquoi j'ai mis ça? On en prend photo avec les skis au pied, on penche à droite, à gauche, devant, derrière, les autres photographient. Ça. Alors moi je vous photographie, mais vous, comme vous n'êtes pas très stable, vous penchez à droite. Allez-y. C'est un peu le vin chaud, hein, mais bon, on va pas le dire. Vous êtes magnifiques, les filles! Ah ouais! La photo de près, c'est la macro photo. Yeah.
ah bah tiens, bah le rire du vin chaud. On se met en terrasse dans les transats. Et on s'installe dans le transat. Et on va d'abord faire un petit respire. Et bien sûr, c'est l'heure du vin chaud. Vous y en y va. Et on va rajouter un peu d'épices. Allez, c'est quoi? C'est les quatre épices qu'on met dedans, c'est ça? On y va? Puis on va mélanger un peu. On y va? La cannelle? Ouais, de la cannelle aussi. C'est bon, la cannelle. Yeah. Oh, on mélange un peu. Parce qu'on va mettre une dernière dose de bien de cannelle là, pour que ça a bien le goût là. Allez, on y retourne. Zeste d'orange. Et de quoi? Le petit zeste d'orange. Le zeste d'orange. Ah, oui. Et double des zestes d'orange, on est des folles. Oh, on mélange et on chine et double d'orange. Qui m'a donné envie. Et après, on va retourner, on va prendre la route du retour vers le chalet. Mais après une telle journée, ben, on est super fatigué quand même. Donc, on est fatigué, on a du mal à marcher. Et on a des courbatures. Et du coup, comme on s'est refroidi, ben on va prendre une douche hein, pour se, hein, pour se retrouver de l'énergie. Pardon. Alors, comme moi, on ouvre l'eau. Il y a l'eau qui coule, l'eau chaude qui coule sur nous. Ça fait du bien. Alors on se savonne. Ah.
là, ça fait du bien. Ah, ho, ho, ha, ha, ha. Ho, 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 ha, ha, ha. Ho, 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 ha, ha, ha. Je sais pas pour vous, mais moi, je kiffe ça. Oh, je crois que je vais rester comme ça, en fait. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis bah, maintenant qu'on a fini la douche, on a bien mérité un bon massage. Hein, après une telle journée, alors, comme moi, et on se masse. Ah, bien si on nous le fait quand même. Et les épaules plates, et tous les épaules, on se masse. Et la nuque, Ah, ça fait du bien. Ah, et on peut le dire, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Ah, tous les automassages qu'on peut se faire, on y va, on se fait du bien, ça fait du bien. Et quand on pense qu'on s'est fait de massage, eh ben... Ho, 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 ha, ha, ha. Ho, 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 ha, ha, ha. Ho, 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 ha, ha, ha. Ho, 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 ha, ha, ha. Yeah. Ben, je crois que la journée est finie, donc maintenant c'est l'heure de... l'apéro. Bah quoi, c'est couvre-feu, hein, c'est l'heure de l'apéro. Oui, devant la cheminée. Hein. Bah allez, on y va, c'est parti, hein, derrière de l'apéro. Alors, on commence par boire quoi? Un peu alcoolo, hein. Un alcoolo. On peut. C'est virtuel, alors on a le droit. Vous voulez commencer par boire quoi, les filles? Je vous paye un coup. Première tournée. De l'alcool? Un bon vin de montagne. Allez, un bon vin de montagne, c'est parti. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ensuite? Un vin blanc de Savoie ou quelque chose, mais bon. Allez, c'est parti pour le vin blanc de Daniel. On a déjà trois vaches en plus que... Ouais, on est bien là. On est bien? Ouais, on est bien. On a trois vaches. Et moi, j'ai envie de vous offrir un petit rhum arrangé. Alors, je vous offre un petit rhum arrangé, banane, cannelle, tu vois, on va essayer ça. Du coup, on va être obligé de mélanger. Allez. Et alors, ensuite, j'avais marqué le rire de la fondue savoyarde, mais comme Jeanne, tout à l'heure, elle ne s'est pas avancée d'un pas, on va changer, on va mettre une raclette. Non, moi, je veux que tout le monde prenne du plaisir. Donc, non. Une raclette pour ce soir, mais c'est bien parce que c'est toi. Bon, d'accord. Et du coup, on va faire comme on connaît le rire de la soupe chaude, on va faire un peu comme ça. Okay, donc, on va prendre la patate, là, On va couper, et on va mettre le fromage dans la bouche, mais ça brûle. On va même pas en gorger pour s'abrégir. Allez, on refait ça avec la deuxième pomme de terre. On y va. Et on rajoute la charcute. Et on rajoute le fromage. Et puis pour la dernière, on va faire plus light. À la place de la pomme de terre, on va prendre de la tomate.
Et on va prendre le petit cornichon. Oh. Et le petit bout de fromage quand même. Ah. Vas-y, on y va. Bon, alors normalement, à la base, c'était prévu la fondue. Et normalement, la fondue, vous savez, on fait tomber les bouts de fromage, des bouts de pain dedans, là. Et celui qui fait tomber son pain dedans, il a un gage. Alors, on se moque un peu de celui qui a fait tomber son bout de pain. Oui, mais après, c'est nous. Alors, du coup, on a tellement bu que Et puis, je vous propose de terminer comme ça. Parce que malheureusement, ah, attends, on a perdu Daniel. Malheureusement, les vacances de ski sont terminées. Mais c'est pas grave parce qu'on peut y retourner. Alors, ma fille, c'est terminé. On peut y retourner quand on veut. Et même s'il n'y a plus de bain chaud, et ben on peut en faire un. Very good, very good. Yeah. Oh, les filles, vous êtes formidables. Et nous sommes formidables. Et tu es formidable. C'est marrant parce qu'il faut que je pointe à droite pour montrer à gauche mon écran. Là, c'est Anne. Voilà. Anne, tu es formidable. Jeanne, tu es formidable. Et Daniel, tu es formidable. Donc, tu es formidable. Et je suis formidable. Very good. Very good. Yeah. Allez, on fait de la relaxation.